Assalamu alaikum, Boki Sénégal. Assalamu alaikum, chers militants, sympathisants. Man sen bok, président Ousmane Sonko, alias Oscar Sierra. Ma ñeu fassiyene waxtaan ak yeen ci kaddu yu gatt. Waxtaan di waxtaanu jamm la. Waxtaanu jamm la. Moy waxtaané xew xewu rew mi. Liñu fassiyene waxtaané moy li nga xamné mom lañu bëgg def muy actualité ci jamono ji. Lé ñing ko ci wax. Lé ñing ko ci bind. Muy convocation bi nga xamné convoqué nañ mako ëlëk bu soobé Yalla ci midi mo ra dem jakarlo ak doyen des juges. Ñi sante Yalla bi convocation bi amé ndax luñu exigé won la ñun suñu bop ndax it gulet ci histoire du Sénégal ñu jël ab dossier pendant 18 mois wala luko ëpp ñemewuñu deglu ki ñu jign ki nga xamné mom la concerné ñemewuñ ko wo pour deglu ko li tubab nan entendre dans le fond yagonna té bu len faté ni dafa am lu mu andak moy nenañ dañ ma def ci contrôle judiciaire moy samay sañ sañ dañ ko wañi mënuma tukki danaka lolo ci wañé ko waye ma ngi dox samay soxla di dem fuma neex waye mënuma genn réew digënté bobu ak légui lu né xew na fi ndax def nañ fi ñaari élection yépp ma nékkon ci candidat jité ay liste ngeen wolu ñu yeen sénégalais ñom ci ndam go xamné amul na tablé waye batay woguñ ñu won pour wax ak ñun kon tay bu amé dañuy sant Yalla waye bala may dugg ci sujet bi damay ñëk gëreum sénégalais yi ndax bi mbir mi amé légui sama téléphone sax dama ko mujjé tej fune du sénégalais ordinaire du goor du jigen du xalé du ndaw du kulifa diiné du haut fonctionnaire fune la nit di woté di néméku di solidariser wu ak surtout di manifester ñakarem may remercier ñi nga xamné ñom la bokal ci géew politique bi moy liñuy wax yewi askan yu rawatina la conférence des leaders nga xamné tay ci suba def nañu waxtaan bu am solo wax ak sénégalais ñu bari ci ñom nekkon ci ay yité bitim rew sax ku melni Khalifa Abubakar Sall wala ku ci melni Bétié Fall président de Bétié Fall waye dañu dag liñ doon def ñew donté ci waxtaan néna len jaruko ajowuko waye bay nañu lepp dag billet avion def lu mat 6000 km pour ñew tewé ñu ngi leni gëreum ñom ak ñeneen ñepp ñom Aydem Boy ñom Cheikh Tidiane Diey ñom Cheikh Tidiane Youm ñom Maymouna Bousso ñom Moussa Tine doyen Habib Sy Janté vraiment Koulim Djoum waye conférence des leaders ñepp ñu ngi leni gëreum leen sant sen taxaway di gëreum it sama grand frère Malik Gakou ci taxaway bi mu ci am ci ay communication yu mu def akum waye di gëreum ñaar ño xamné bokkuñu ci mbotaay politique waye ñu am ci taxaway wax ci muy professeur monsieur le ministre Maritew Niane ak procureur Aliou Ndaw nga xamné xamanté wuñu ci jëm sax waye ñepp gis nañu taxaway ñuko ci gëreum ci taxaway bi waye surtout yeen wa askanu Sénégal yépp léré damay tok ba siag mané man lan la défal askanu Sénégal ndax bu dara amé bañu tudd ci Ousmane Sonko ni ci nit ñi di manifester wo dafa jéggi dayo amuñu sen fay ñu ngi leen di gëreum bu loolu wéso nak ñu fatali leen ndax wax ji bari na waye dama bëgg dalal xel ñepp li luñu bëggoon ñun la suñu bop fatali ku leen ay wër ci gannaaw def na fi benn émission ak ay journaliste demone bané leen filek mom doyen des juges wowuma degluma dotuma sax signé cahier bi té non la ko doxalé won motax fan yi bu mu démé ba japp date bañu yégal mako la dem def la mo wara def kon
ku tollon fofu xam ngeen ni mom yakamti won na da ngay deg wa borbolé suñuy wax bu eulemal xel sénégalais nan waw li tax muy daw mom na dem uyu waye man duma convoquer sama bop doyen des juges mo meuna convoquer munuma xey yenn samay bagage dajale samay avocat ni ma ngi dem tribunal kon su yexone ci ñom la yexé waye ñun li luñu yakamti won na amna tay ñu né ñu ko ci wax may dalal xelu sénégalais yépp amul lu gëna ordinaire li bu ëllégé bu soobé yalla dinañu xey dem jakarlo doyen des juges wax ak mom liñu wax ak mom ñibbi ci fanane suñu biir kër fi ak semaine prochaine ñu woyal inshallah suñu dox dem defi suñu némé ko tour ñi naan ay su démé dinañ ko japp ak dinañ ko li ak dara amu ci dama leen yag wax ni dossier bi du dossier bo xamné dañ ma ci japp wala dañ ma ci téré nek candidat dina ci delu ci kon ma dalal ñepp li lu ordinaire la té lu mënul ñak la ñu waron ko def bu yag ñom sa ñu den lajone ne def len ko ñuy yox yoxi nan worul ak dekk bi dafa xawa tang ak buñ ko defé xalé yi genn ak lu ne donc su yexé ci ñom la yexone mu leer ci bop sénégalais yépp ndax su doon may convoquer sam bop kon waxatuñ ko té bu len faté nak ni dawjé bi ciowli di am ba li ci judd ci dama jogon di wuyu juge man musuma né duma wuyu juge dama bëgg ñu dégglanté bu baax mbokk sénégal biñu jëkke ñëw né ma da ngay ñëw par force man leen duma ñëw ndax dama am immunité dama am balanu kiray bo xamné député bu né da ko am té lool tank téggi wuñu ko gendarmerie mënuma convoquer donc duma dem section recherche loolo andi won ciowli biñu ñëwé né dañ may jël ci forcé xalé yi taxaw né du fi amé mo ñëkkon andi problème bi amon sans buntu kër biñu xamé du soti ñu déllu wat dem déllu assemblée nationale donté niñ ko défé jaarul yoon yeen ñep xam ngeen ko waye ñu dem fexé bané mbalanu kiray bi yëkëti nañ ko biñu déllu sé ñep naan du dem ak dina dem ak dëkk bi taxaw kenn no yoti wul biñu toggé ba ñu né ëlëk la mbir mi la tax def sama kër la tok def sama life neneen bu suba inshallah 9h dina wuyu ci kon dama jog dekk ci tankuyu ñun lank ne duma wuyu ji lolo andi ciowlek njombeli ba li ci judd ci kon ñun musuñu ragal uyu juge musuñu daw uyu juge kay mo ñu don daw nan su ma len wowe li mu na ci judd la mu na ci judd kon ñi wax di essayer eulemal sen bop xam len ni wax ñu deug lolu moko leralé ba paré dina wax nit ñi comme lu ordinaire la lu wara am la dañuy dem uyu ji dina laaj ay laajam dinañ ko wax suñu ful daal di delu ci wat suñu kër tranquillement kon jarul yenn yënguy ñun duñu Macky Sall mom moy bukkat waye ñun duñu bukkat ndax gis ngeen limu defati audition rek nga jël suñu armée bi yépp li nekk ci Dakaru ci alkati ak ci policier ak yoy yépp doyu ko même ñi nga xamné ñi nga ci formation nek Fatick jëlé na fa 12 escadron 900 personnes mu jëlé ko Fatick ci xalé yo xamné paré guñu sax formation lolou moy andi manifestation bu amé yenn jéy di am ndax kuy formé wu paré gul mokalagul sax nuñu yoré arme nga jëli ko andi ci lo xamné audition kessé la mi ngi melni Sénégal fimné ni mo raw Mogadiscio mi ngi melni guerre civile lañu nek ci ab Ousmane Sonko bu wara dem uy ji juge wax ak mom ni wax ak mom ñibbi ci man lélé damay tok ba siaga dé tan japp dama nan Sonko bari nga doolé wala Oscar Sierra bok bari nga doolé ndax bo sekkete sax waji mobiliser armée yépp ba paré jël avion daw légui arab la néna ligue arab la dem sommet ligue arab jël na avion daw conseil des ministres amul lool yépp lu ko fi jar kon nun duñu mom ndax nous avons un excellent dossier motax manelen na ngeen dal lamay wax ci lolu moy euleuk lima ñaan bu kenn genn kuy genn na dem doxi soxlam demal liggey sa liggey soxlawuma kenn gungema kudul samay avocat
ba ci leader yi biñu joggé légui ci conférence presse bi dañu ñëw sama kër ñu waxtaan ci mané len ma len ko ñaan lolu ñaan na len ko ñaanat len ko soxla wu mako nga gungé d'autant que audition amul gungé audition du audience du procès su doon audience wala procès nga xamné kenn ku ne am nga sañ sañ ñëw ci salle ba way li simple audition la terul gungé donc na ñëpp tok seen kër té ni mako waxé ni non lay Moussa amé même bi problème yi di am dawji man wowuma kenn ne ko kay gungé ba motax kenn mënul génné seen affaireu tapalé ñu doon def nan trouble à l'ordre public mëna luñu ma ci dara ndax musuñu ma gis ma def déclaration né gaay ñëw leen gungé ma bañ ma bëggé forcer ci ñël ben ba kay la né won sama droit à la résistance ndax constitution mo né ku ñu bëgg jaay doolé am nga sañ sañu lank résister waye biñu jaaré fiñu jaar ba né levé nañ immunité dama jox dem né damay wuy ji kon suba limay ñaan nit ñi ndaw ñi surtout bu kenn nan damay dem ko Ousmane Sonko wala damay dem tribunal wala damay dem fi wala fele audition man may dugg ak samay avocat jakarlo juge bi ñu waxante li ñuy waxante ma ñibbi sama kër lolu jaru genn motax ma len koy ñaan ndax xex bi xela koy xex xex bi xadar xexuko xadar moy mujjé ci xex bi waye likoy jitu xel la ñiñ ko sekkal rek dañoo japp ni mën nañ def stratégie xam nañ ni amu dara ci dossier bi waye dinañu créer ay provocation ndaw ñi nga xamne lélé dañuy xër trop tabu ci ñu mëna génné dossier ci bir dossier bi wala mënu ñu mëna jaaré fofu essay nan dañuy tégg loxo ñen ñi té lolu jaruko lolu mi ngi suñu kanam dina ci ñew motax ma ñaan leen né leen li lu banal la gatché lay doon ci mom mu dajé liñu am yépp ci gendarme ak alkati ñi mu jëlé leen ci région yi fune yaq xaaliss bu dul jeex ci ay carburant ak ay prime ñew bo fi ñepp dëdd ko romb dem def toxi seen soxla loolu moy doon gatché gi motax ma ñaanat ko ak kum munti doon ëlëk du dara lu ordinaire la yeggaguñu ci dossier bi kon na ñepp doxi seen soxla ku dul amul soxla na nga tok sa bir kër ñu dem defi suñu audition ñibisi te buñu ñibisé dina delu ci wat nak ci lo xamné lu yaatu la def ben point de presse waxtaan ak sénégalais nak ci dossier bi parce que fofu lañuy tollu après buñu ñibisé dina len wax kañ la dajalé ñepp waxtaan ak sénégalais ci dossier ba ngeen xamni complot bu ñak fayda ba paré ay kilifa yu maga mag ci rew mi sen loxo tak ci rip te ñu am ci firnde loolu lañu jakarlok fimu toll ni loolu yeggaguñ ci li am solo moy suñu démé def suñu audition ba ñew nañu sétane suñu gaay fu ñuy mujjé nañu sétane fu bëd di mujjé gi wante wan len tam ndax sacc ndënd yomb na torop waye fu ma koy tëggé loolu jafé ma baam waat neneen dossier bi mënuma ci dem kasso dossier bi mënuma téré nek candidat 2024 budé nak ci loolu lañu bëgg jëm li ngeen ni ru manat li leen mbir mi jaral ak xex yi ngeen ni wadjal fofu lañ koy xexé waye du léegi motax mané leen bu leen yakamti jamono jëlé def na ben live né leen xex kenn duko xex té ñoragul té ñom ci seen stratégie ci loolu lañu né waji xamna ni jéxal na tak bir njabotam sax tass na 1000 dudul ñi mi fay xaaliss ñuy wër ci télé ak radio di saga amul kenn kuy nit ku bax ko xamne tay mi ngi ci bir njabotam sénégalais yi dudd nañ ko won nañ ko gannaaw te ñaari élection yi fi wésu passé nako ndax ku juggé 65% tay nga nek 45% xamu 46% jéxal nga tak ci réewum mom lolu xamna ko mo leen ko gëna xam yeen ñepp waye ku mu yobale la bëgg deggu leen mo bu baax de dama leen di wax waxu xel fim ne ni dañoo nekk ci phase guerre tactique stratégie boko dul def do egg fi nga bëgg jëm même ñi nga xamne nitu diina lañ dañoo def stratégie ba yegg fi ñu yegg kon mom kumu yobale la bëgg ya 2 ans la leen jëk gënël théorie la stratégie du chaos moy nu muy def ba réew mi jaxeso rek xex am fu ne guerre civile sax am ci mu profito ci ñun waruñu ko top ci loolu te war nañu gor gor ngal la way
ba sude jamarlo da fora amati mu don bu mujjé ci jamarlo yi fima jaar yépp dama wax ni ñun jam lañu bëgg jam lañuy dox kenn musul gis ñu jog dem door kenn musul gis ñu jog saga kenn musul gis ñu gañ kenn musul gis ñu ray kenn musul gis ñu tej kasso kenn té loolu lepp ñun ñukoy def bis bu né ñepp tek ci bëtt kilifa sénégalais ordinaire xana kay ñëmé ko wax wala bañ ko ñëmé wax ko bëgg jamadu wessul loolu ñogi jog sol suñu dal dem di séti sénégalais di waxtaan ak ñom di len waxtaan ci suñu gis gis ak suñu programme di len waxtaan di len déglu seeni jafé jafé di len wax li tax réew mi doxul ci yoreen gu ñaaw ak niñu taylé suñu réew jox ko tuba bi ak niñi saccé xaalisu réew mi diko séddo ku bëgg jamm dina doxé non ku bëggul jamm dina doxé non ci jamm ak salam té gis ngeen fuñu dem ñu jël ay nit fay len nan len songu len saga len xass len sanni len xeer kon ñun jamm lañu bëgg té ñaan nañu yalla réew bu naré téggu suñu réew suñu loxo da doon ci jamm ndax réew mu tassaro boko bo ci joté it di nga def 5 ans mandat noy def ba réew mi défar wat ba réew mi nekkat ci jamm waye do liggéey kon ñun jamm rek lañu dox té nitu fitna ci réew mi kenn la té ñepp xam nañ ko ben nitu fitna mo fi nek fukki at yaangi tujaaté yaangi dooraté yaangi réyaté yaangi gañaté yaangi sosal nit ñi fukki at ci lolu sénégal yépp tek ci seen bëtt kon dama né jot waxtu wi jotagul na ñepp tey ta dal waye bis buñu bëggé yegg fenn fi bu soobé yalla lim leen ko jaral rek dinañu jaral lu ko ëpp téméré junior ndax ku xol ni ñuy def ni xamni waji amul doole de day napaté ndax bu dé audition rek dara yëngatuul nga dem sax ba ci ay élèves yu nekk formation nga dem jëli leen moy day essayer xëbël sénégalais gis nga biñuy wax affaireu budget bi waxuñu budget mbay de waxuñu budget sam waxuñu budget pagn mi liñu jëk wax moy 300 xawma ñaata milliards pour alkati mëna door nit ñi lool yépp ci bataille psychologique la pour nap sénégalais pour gëmlo ni waji yorna lo xamné waye lu raw mars mo fi nek ci jamono ji yegg nako yegguko mo fi nek tay alkati mu yaakar alkati yoy ay sénégalais ni ñepp gis nga Donald Trump bi mu bëggee jaxase élection bi bëgg a bañ ne du dello pouvoir bi chef d'état major des armées moo ko ne ñun ay républicain lañu da ngay delloo nguur gi wala ñu jëlee la fi loolu mooy armée armée république bi la fi nekkal nekkal fi Macky Sall de bu Macky Sall demee ba nar a waroog askan dem ba bugg a noot askanam ba dem ba bugg a rey askanam day jaadu waa armée taxaw ne ko lii du fi amee te gëm naa ni bis bu ñu tollee foofu moor ko defee noonu dina demee noonu moo tax ñu ne leen nañu ànd ak tey ak dal dem audition dellu si jàmm waxtaan ak sénégalais ci li xew ci dossier bi daal di jóge foofu dellu def suñu nemmeeku tour waajal 2024 lii moo fi am leneen amu fi may wax nag ni buñ ci tollee nañuy déglante déglu leen ñu dañuy ñaan ngeen déglu ñu il faut que ñu am discipline parce que léeg-léeg moo ñuy xaw a manqué ku nekk day jóg dañu damay def lii ñoom ci yooyu la ñuy profito di jàpp suñuy nit benn benn loolu nañ ko moytu nañuy dégluwante am discipline ni armée amee discipline bu dara amee na népp ne tekk bàyyi ba ñu jox leen information bi ñu war a am fi rek ñu ngi doxee noonu ñii mënuñ ñoo jekku ci seeni tàppale ndax ay nitu complot lañu subaak ngoon gu dégg bëccëg ci complot lañu dëkk waaye seen complot mënaluñu dara kon loolu la ñuy ñaan militants yi ak sympathisants yi di ko ñaan sénégalais yépp ndax mbir mi jeex na ba noppi de ku ñu joxoon 12 ans ñu jox la fukki at ak ñaar nga def fukki at ak genn wàll juróomi weer ak fukki weer ak juróom benn moo ci des kooku bu ñu daanu ci ay ndëgg sërëxam nañu am intelligence boobu te bu ñu fàtte ni nag yi ñuy def ñëpp diversion la bu ñu fàtte lan mooy priorité yi mbokk yi priorité yi mooy lii mu nekkee ci ay trafic d'arme jël ay milliards yi milliards te dina am développement am na yeneen ndax mbir mi xaajul ba jeex jël ay milliards yi milliards dem jël ay trafiquant d'arme di leen defar ay marché
jox ko ab ministère bo xamné né nga eaux et forêt la wara gérer jox len 46 milliards ñu nane dañuy jënd ay armes té lol moy li gëna ndaw ci li nit ñi gissagum lolou réew bu mu nekkon ci réew bu normal tay waxatuñ ñu bëgg créer ay diversion sénégalais faté séni farata nek ci ay sunna wala ay afdal buñu bañ buñu nang lolou priorité yi moy ci réew mi tollu ci ndol ak ci ndjeg yu cher ak sénégalais son nañu man dé ma ngi ci all bi depuis 10 jours ma ngi won ci all bi 15 jours sax def nako ci all bi té ma ngi waji delu ci all bi waye lima gis ci all bi Macky Sall su ko gissone dina xamni amel na sénégalais ak dé dina xamni amel na sénégalais ak deug 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 lolu moy priorité yi priorité yi moy assemblée nationale bi nga xamné new na fa doole tay new doole bo xamné xaar len le 14 le plénière yi di commencer ma ngi ñaan sénégalais yépp nañu tewlu plénière yi te suivre député yi ndax dañu leen won jox leen ñu député ñu won leen taxawayu assemblée tay ñoy yem doole ci assemblée wala sax mu gëna new doole lolu ay lolu moy priorité sénégalais aujourd'hui priorité sénégalais yi moy yi nga xamné farata la ci ñom te ñukoy dund seen dund bis bu nek mu am jafé jafé te Macky Sall télé ci mënu ci dara ak suñu ressource naturelle yi nga xamné jaay nako tok japp ñamburam gis nga ab askan bu démé ba faté lan moy farata chaque jour ñu créer la ay faits divers nga top ci faits divers ya ba ci réseaux sociaux yi sax ba ci ñun suñu njabot dañu am problème bobu ñu créer lan ay faits divers légui ay nit yo xamné ngeen jéggal ma ci cadeau ji duñu tekki wuñu dara ci luñu mëna top kenn ku ne so xeye genné sa ben vidéo nit ñi top ci di commenter di wax nañu déllu ci farata réew mi so démé ci dëkk Touba bi da ngeen di fekk ci farata réew mi tay so démon ci dëkk Touba bi sen ciow yépp crise économique bi la guerre en Ukraine la coût de la vie la gaz bi ñuy def ba jot ci la ak yeneen ak yeneen sécurité waye Sénégal so fi ñëwé ñu ngi ci chaque jour nak ñu génné ben fexé ba tassaré ko nak nit ñi nekk ci di commenter suba ngone guddé bëcëk nañu fexé ba déllu ci l'essentiel ñun ci loolu lañ leen wax kon li lañ leen bëggoon wax ci cadre yu gatt di leen gëreem di leen sante di leen jox deg deg dédjé nak ci lu gatt 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 ndax it dossier bi du dossier judiciaire dossier politique la day bax ñu wax ak sénégalais yi ñu xam lan mo ci né ak lan mo ci xew tay di wax sénégalais yi rawati na nak ndaw ñi li ñu def ni neew ñu leen ngeen dem teud aj seeni ko jass dañ leen ne jotagul budé jaaral nañ bir mi yoon wa salaam buñ ko jaaral fawon nawon parce que nak suñuy mbokk suñuy rak fukki bakkan ak ñent rot na ci li est ce que tay jaaduna ñooñu liñu li taxoon ñuy xex mu leen li du deug tiaxan da te projet bi ñu gëm duñu ndang ko faagagal ba lol dal len ci est ce que dañuy delu ci wat ñaari at ci kan gannaaw mu melni dara musul xew Macky Sall ñew continuer complot dal na yegalina lol du musa am fi ci Sénégal kon ñu leen di gëreum bu baax di leen sante chers compatriotes chers amis africains je vais prendre quelques minutes pour m'adresser à vous relativement à l'actualité ou ce qu'on essaie d'imposer comme actualité au Sénégal en ces jours alors que le monde est préoccupé par des questions beaucoup plus stratégiques, beaucoup plus vitales pour l'avenir du monde. Je le disais l'autre jour, il faut s'inquiéter de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Il y a l'enlisement de la guerre en Ukraine avec ses conséquences socio-économiques dramatiques. Il y a ce qui se passe aujourd'hui en Asie avec les risques d'annexion de Taïwan par la Chine et les risques d'intervention des États-Unis, mais également ce qui se passe avec la Corée du Sud. Pas plus tard que ce matin, des essais de missiles balistiques ont suscité de vives réprobations de la Corée du Sud, de la part de la Corée du Nord, ont suscité de vives réprobations de la Corée du Sud et de la communauté internationale. Mais vous avez suivi l'actualité aujourd'hui où les Américains ont réagi par rapport aux inquiétudes des Saoudiens qui soupçonnent une attaque imminente de l'Iran sur leur territoire. Et donc, nous sommes dans un monde extrêmement incertain, un monde extrêmement dangereux, un monde
où rien ne peut être défini sur le court terme, a fortiori sur le moyen terme et le long terme. Et il me semble qu'il n'y a que les pays africains qui n'ont pas suffisamment compris les enjeux. Et le Sénégal en fait partie. Pendant que le monde se préoccupe des grands enjeux et des grandes questions, ici au Sénégal, on est dans le perpétuel recommencement des faits divers. Et tous les jours avec son lot, on ne parle pas de ce qui fait le Sénégal ou ce qui ne le fait pas. On ne parle pas de ce qui rend le vécu des Sénégalais extrêmement difficile. Mais on est là à parler de questions qui n'ont aucun impact en réalité sur le devenir de ce pays et sur son présent même, puisque il est de notoriété publique que les Sénégalais souffrent comme ils n'ont jamais souffert. Chers compatriotes, on a parlé d'une convocation de votre ami, votre frère, votre président, pour certains, Ousmane Sonko, alias Oscar Sierra, puisque c'est comme ça qu'on nous appelle dans les communiqués de la police maintenant. Je dois dire aux Sénégalais qu'il n'y a rien de plus normal, de plus ordinaire que cette convocation que nous avons souhaité et voulu depuis très longtemps, que nous avons exigé depuis très longtemps, qu'elle intervienne à cette période où nous avions entamé une tournée pour aller rencontrer des Sénégalais, peu importe. Nous avions souhaité, parce qu'il faut que ce dossier soit définitivement traité, puisque c'est un dossier vide, absurde. C'est un complot ourdi au plus haut sommet de l'État et nous en avons toutes les preuves et je vous reviendrai très bientôt pour vous en donner un certain nombre d'éléments. Nous l'avons souhaité parce que le pays doit souffler et passer à autre chose. Nous l'avons exigé plusieurs fois. Si vous vous rappelez, il y a 8 mois à peu près, ou un peu plus, oui, un peu plus, j'avais accordé une interview à quelques journalistes. Et j'étais allé même jusqu'à dire que si le doyen des juges ne me convoque pas pour m'entendre, je refuse désormais d'aller signer le cahier de décharge. Puisque quand vous êtes sous contrôle judiciaire, vous êtes assujetti à un certain nombre d'obligations. Ce n'était pas un déni, ce n'était pas un manque de respect à la justice. Mais vous ne pouvez pas avoir un dossier. C'est une première dans l'histoire judiciaire du Sénégal que 18 mois plus tard, on n'appelle pas un inculpé pour l'entendre au fond et voir les suites à donner à ce dossier. C'est désormais fait et c'est pourquoi je rassure tout le monde. C'est un dossier le plus ordinaire possible. C'est une procédure la plus ordinaire possible et qui s'insère dans le cadre de l'instruction d'un dossier totalement vide. Et demain donc, j'irai répondre tranquillement. Et je rappellerai aux Sénégalais et à tous ceux qui suivent à travers le monde que je n'ai jamais refusé d'aller répondre à la justice. La première fois qu'une convocation m'avait été remise, j'étais encore revêtu de mon immunité parlementaire. Et vous savez très bien que la loi est très claire. Aucun député ne peut être poursuivi, entendu ou emprisonné durant l'exercice de son mandat et particulièrement en cours de session. La gendarmerie n'avait pas à me convoquer et j'ai refusé de déférer ce qui avait amené les premiers incidents devant mon domicile. Quand ils se sont ravisés pour aller procéder à la levée de l'immunité parlementaire en violant toutes les normes et que une convocation m'avait été notifiée après cela, je suis allé déférer tranquillement à cette convocation. Qui datait du 3 mars 2021. Ce matin, mon ami et frère Khalifa Sall me rappelait qu'il y a un fétichisme chez ces gens-là autour du chiffre 3. Moi, je ne suis pas un fétichiste, lui non plus. Je ne crois pas à ces histoires-là. Tous les jours sont des jours. S'ils ont des devins ou des... Marabout qui leur ont garanti que le 3, s'ils font les choses de 3, ils se sont fourrés le doigt dans l'œil parce qu'il ne se passera absolument rien. Et c'est, rappelez-vous, sur le chemin, en allant déférer à cette convocation, que la police, la gendarmerie avait fait obstruction pour m'empêcher d'aller répondre au juge, d'où les événements tragiques et malheureux du mois de mars 2021 qui ont coûté la vie à 14 personnes sur la base d'un complot d'État
contre un opposant qu'ils craignent tous et qui nous a amenés à cette situation déplorable. Nous y voilà aujourd'hui. Après 2 ans de louvoiement presque, nous recevons cette convocation du doyen des juges. Je veux dire à tout le monde que j'irai répondre le plus simplement du monde, tranquillement. J'irai répondre et je reviendrai tranquillement chez moi passer la nuit. Parce que beaucoup de fausses informations ont été dissiées, faisant penser même que je pourrais être arrêté en déférant à cette convocation. C'est fait à dessein, c'est fait sciemment pour créer la psychose ou alors la mobilisation de nos militants et en profiter pour coller toutes sortes de motifs. Troubles à l'ordre public, appel à insurrection, etc., etc. Je rassure tout le monde, s'il plaît à Dieu, demain, je dormirai tranquillement chez moi et dans les jours à venir, nous reprendrons tranquillement la tournée nationale de Némécoutour pour aller à la rencontre des Sénégalais et préparer 2024. Et c'est pourquoi j'ai demandé à tout le monde, je demande à tout le monde solennellement et j'insiste beaucoup de rester tranquillement chez soi ou alors de vaquer tranquillement à ses occupations. Parce que nous ne sommes pas nous, Macky Sall. Nous ne sommes pas des froussards. Nous avons le courage de ce que nous faisons. Si nous décidons de nous battre, tout le monde saura que nous devons décider de nous battre. Nous ne sommes pas des froussards au point de mobiliser l'ensemble des troupes de la gendarmerie nationale, de la police d'État, l'ensemble des renseignements généraux et même peut-être l'armée. Nous avons vu même la réquisition des sapeurs-pompiers. Toute la République est mobilisée pour une simple audition d'un Sénégalais, comme tous les Sénégalais, fût-il un opposant de premier rang. Cela n'honore pas Macky Sall. Et comme à son habitude, à chaque fois qu'il s'y prend, il préfère prendre son avion pour détaler et aller faire du tourisme ailleurs. Aujourd'hui, c'est devenu un arabe, puisqu'il a trouvé comme prétexte cette fois-ci le sommet arabe qui se déroule en Algérie. Nous ne sommes pas ce monsieur qui, même abrité derrière ses forces de défense et de sécurité, demeure un peureux. Nous ne sommes pas des peureux. Nous n'avons ni armée, ni police, ni gendarmerie. Mais si nous décidons de nous battre, nous assumerons. Advienne que pourra. Nous n'en sommes pas là, chers compatriotes. Et c'est pourquoi je vous demande solennellement de vaquer à vos occupations, de ne pas venir chez moi, ni au tribunal, de ne pas vous attrouper, parce que c'est une procédure ordinaire. Ça ne se jouera pas demain. Restez à notre écoute et suivons l'évolution de ce dossier. Parce que je vous ai toujours dit qu'ils ne pourront jamais. Ils sont tout le temps dans leur laboratoire en train de comploter et de voir les versions. Ils ne pourront jamais m'atteindre avec ce dossier, ni m'emprisonner, ni m'empêcher d'être candidat en 2024. Jamais de la vie. Ce combat, vous l'avez gagné, vous, le peuple sénégalais. Vous l'avez gagné en mars 2021. Parce que c'est en mars 2021 qu'ils ont perdu ce dossier. Parce que si leur stratégie avait marché, j'aurais été arrêté dès le premier jour si je m'étais présenté à la gendarmerie. C'était les consignes du procureur Serigne Bassirou Gueye. Et lui, je reviendrai sur lui très largement quand je vais venir vous parler du dossier. Parce qu'il fait partie des comploteurs. Il avait donné des instructions pour que je sois arrêté dès que j'arrive. Il avait dit au commandant Beng, je sais qu'il va venir parce qu'il est trop fier. Il va venir. Dès qu'il vient, auditionnez-le et décernez le mandat de dépôt. Ce dossier, vous l'avez gagné quand vous avez refusé que je sois emprisonné sur la base d'un complot et que tout le pays s'est mobilisé durant cette période-là pour faire face aux comploteurs à la tête desquels se trouve Macky Sall. Nous avons gagné ce dossier-là en ce moment. À partir de ce moment, il ne restait qu'une option. C'est essayer de jeter l'opprobre. Envoyer des gens sur les plateaux pour insulter, pour dire des obscénités. C'est ça qui le reste. Mais comme on dit dans un proverbe bien de chez nous, une bouche qui saigne ne peut pas sortir de bonnes paroles. Et c'est pourquoi je vous dis, nous n'avons pas à tomber dans le piège de Macky Sall. Ce monsieur est fini. Il reste 16 mois à la tête de ce pays et il partira. Mais rappelez-vous, il y a 2 ans, je vous ai parlé de sa stratégie du chaos. Puisqu'il a peur de ce qui pourrait advenir après son départ. Il sait très bien ce qu'il a fait.
lui et ses proches. Et ils éprouvent une peur bleue. Et c'est pourquoi il est dans une dynamique de créer le chaos, d'où l'acquisition de matériel militaire à gauche et à droite. Il en achète tous les services. Comment est-ce que des services des eaux et forêts peuvent acheter pour 45 milliards d'armes? Tous les services sont en train de commander des armes. Il est dans cette stratégie du chaos. Cet homme préférerait que le Sénégal régresse au point de tomber dans une guerre civile plutôt que lui, il parte dans les conditions démocratiques comme il avait hérité du pouvoir. Mais s'il perd la guerre, il partira. Et c'est pourquoi nous devons avoir l'intelligence tactique. Nous sommes désormais, pour les 16 mois à venir, dans un jeu tactique de haute stratégie. Ils ne doivent pas être plus intelligents que nous. Ils savent que ce dossier est mort-né. Ils ne peuvent rien obtenir de ce dossier. Mais ils vont créer des situations pour pouvoir faire naître de ce dossier d'autres dossiers et invoquer parce qu'ils l'avaient fait déjà au mois de mars. C'est parce qu'il y a eu la pression populaire qu'ils ont reculé. Mais rappelez-vous, il y avait un dossier contre moi d'appel à insurrection. Un dossier d'atteinte à la sûreté de l'État. Un dossier de trouble à l'ordre public, si vous vous rappelez. Et donc, ils sont dans cette stratégie-là. Et c'est pourquoi je demande aux Sénégalais de ne pas tomber dans ce piège. Laissons les choses se faire naturellement. Le moment venu, nous ne le souhaitons pas. Nous souhaitons que les choses se passent de manière pacifique. C'est ça la marque de fabrique du Sénégal. Nous souhaitons que nous puissions aller vers une transition démocratique, douce, apaisée, à l'issue d'élections libres et transparentes, qui auront permis aux Sénégalais de choisir librement leur candidat. Et aucun candidat ne sera écarté de cette élection. Parce qu'on ne l'acceptera plus que Macky Sall ait à choisir qui doit être candidat et qui ne doit pas l'être. C'est ce que nous souhaitons pour ce pays. Et c'est ce que tous les Sénégalais souhaitent. Et c'est pourquoi ces combats-là ne sont pas des combats des acteurs politiques. C'est les combats de tous les Sénégalais. Parce que je dis tout le temps aux Sénégalais, si tous les Sénégalais se levaient comme un seul homme pour dire à Macky Sall, basta, je peux vous jurer que Macky Sall cessera de faire ce qu'il fait. Mais tant qu'on sera dans cette dynamique où les gens posent des pions, avancent, tout le monde sait qu'on va vers la mauvaise direction, mais on ne réagit pas jusqu'à atteindre la ligne rouge, malheureusement, on risque d'en payer le plus cher. Et c'est pourquoi nous nous disons simplement que nous nous souhaitons de la paix pour ce pays. Parce que quand vous avez des ambitions aussi nobles et aussi importantes que de diriger un pays, vous ne pouvez pas souhaiter hériter de ce pays en lambris. Vous ne pouvez pas souhaiter hériter de ce pays cassé en mille morceaux ou en guerre civile. Vous souhaiterez hériter de ce pays dans la stabilité, la paix et la tranquillité pour vous permettre dès les premiers jours d'appliquer vos idées et de travailler rapidement à avoir des résultats pour le peuple sénégalais. Et c'est ce que nous souhaitons. Mais si on nous pousse à bout, j'ai toujours dit que la résistance est un droit constitutionnel. Et là, on est dans une posture défensive. La résistance est un droit constitutionnel. Et c'est pourquoi je dis aux Sénégalais, restez vigilants, restez mobilisés, restez concentrés, mais gardons notre sang-froid. Le moment venu, tout le monde saura que le moment est venu. J'ai dit que de ce dossier, il ne peut rien sortir qui puisse entraver notre marche politique, qui puisse entraver ou qui puisse compromettre le projet que nous partageons en commun et qui est porté par tous les Sénégalais, qui a suscité l'espoir, qui a ressuscité même l'espoir. Parce qu'il faut le dire, les Sénégalais avaient cessé d'avoir espoir avec les échecs de Macky Sall et ses reniements. Et ce projet, il est sacré, non pas par rapport à la personne d'Ousmane Sonko, mais parce que si on rate ce virage, si on rate ce tournant, le monde étant ce qu'il est aujourd'hui, comprenez que c'est encore des décennies et des décennies de domination et de souffrance pour notre peuple. C'est une occasion unique pour nous libérer. Et c'est pourquoi j'insiste sur la stratégie. Écoutez-nous, soyez patients et développons notre stratégie pour contrer la leur.
Et je ne pourrais terminer sans rappeler quelles sont nos priorités. Parce qu'il ne faut pas qu'on se perde. Nous avons un pouvoir très habile dans les contre-feux. À chaque fois qu'il est dos au mur, il allume des contre-feux. Et beaucoup de Sénégalais mordent à l'hameçon. Parce que j'ai l'impression que nous sommes très friands de faits divers. Partout dans le monde, les gens aujourd'hui posent les enjeux géostratégiques. L'incertitude pour l'avenir du monde. Les gens sont préoccupés. Quand vous suivez les télévisions occidentales, on vous parle du prix du gaz, on vous parle du prix de l'essence à la pompe, on vous parle de politique fiscale, on vous parle de politique agricole, on vous parle de sécurité. C'est ça les débats. Mais quand vous revenez dans nos pays, tous les débats tournent autour de personnes, des injures, des insultes. Les gens aiment inviter des gens pour qu'ils insultent simplement. Voilà ce à quoi Macky Sall a réduit ce pays en 10 ans d'exercice du pouvoir. N'oublions pas que nos priorités, c'est les scandales du régime de Macky Sall. Et le dernier en date, c'est ces 45 milliards d'achats d'armes par le ministère de l'Environnement, qui n'en est pas habilité, en quoi qui n'a pas besoin de toutes ces armes-là, et commandé à un fournisseur réputé être un trafiquant d'armes recherché même chez lui. Et cerise sur le gâteau, tout ça découle de ses relations avec une certaine famille israélienne. On y reviendra plus largement. Ce pays est en danger, les Sénégalais ne le savent pas. Parce que Macky Sall, dans son obsession de rester au pouvoir, dans sa boulimie du pouvoir, mais par rapport à des pratiques malsaines, est allé faire des alliances avec le diable. Et vous ne pouvez pas savoir l'ampleur de ce phénomène. Vous ne pouvez pas savoir. Les Sénégalais devraient avoir peur de ce qui se passe. Parce qu'il y a des hommes, des milliers, quand vous y mettez le pied, c'est un engrenage. Et ces gens-là ne vous lâcheront jamais plus. C'est des gens qui peuvent déstabiliser un pays, qui peuvent fomenter des mouvements, qui peuvent armer des rébellions et des mouvements insurrectionnels. C'est des gens qui peuvent fomenter des coups d'État même. Et aujourd'hui, il faut avoir peur pour notre pays. Et c'est pourquoi l'enjeu de 2024 est capital. Nos priorités aujourd'hui, c'est le coût de la vie. Mais les Sénégalais souffrent. Quand on vous dit que désormais kilo de maïs, le kilo de mil est à 600 francs ou 700 francs même dans certaines zones, le riz, n'en parlons pas. L'eau, l'électricité, les gens ne se soignent pas. L'agriculture est par terre. Je viens d'une tournée dans le monde rural. Ils n'ont pas de semences. Ils n'ont pas d'engrais. Et quand ils terminent, ils ne trouvent pas de clients ou alors on leur donne des prix très faibles. Et ces gens-là souffrent dans la dignité. Quelquefois, ils ont du mal à plier les deux repas. Voilà la situation du Sénégal. Voilà nos priorités. Nos ressources naturelles dans un contexte mondial qui est ce qu'il est. Et tous les prédateurs ont les yeux rivés aujourd'hui sur le Sénégal. Et Macky Sall en a déjà satisfait beaucoup parmi eux. Voilà nos priorités. Et voilà pourquoi l'enjeu de 2024 est un enjeu capital pour notre pays. Et n'oublions pas, n'acceptons pas qu'on nous détourne et qu'on nous divertisse. Ce qui s'est passé est bon et est une bonne chose, au moins sous l'angle de la possibilité que ça nous a donné de jauger et de voir. Parce que pour une simple audition, Macky Sall a dû rameuter tout ce qui compte comme force de défense et de sécurité, jusqu'aux sapeurs-pompiers. Il a même mobilisé les jeunes qui sont en formation à Fatick, qui n'ont même pas terminé, 12 escadrons de jeunes non formés qui vont venir. Et c'est pourquoi il y a tout le temps des bavures quand il y a des manifestations, parce qu'on prend des gens qui ne sont pas préparés. Mais ce qu'on doit retenir comme enseignement de tout ça, c'est que malgré les intimidations, ils se bombent le torse. À chaque petit événement, ils sortent des chars à tous les coins du Sénégal pour essayer d'intimider les Sénégalais. Malgré tout ça, il n'a pas les moyens de faire face à un peuple qui n'en veut plus. Il ne peut pas faire face à un peuple déterminé à lutter contre la tyrannie, les tentatives dictatoriales et la prévarication de ses ressources. Il n'a pas ces moyens-là. Et c'est ça, au moins ça aura servi à cela. Je ne terminerai pas sans remercier un certain nombre de personnes, le peuple sénégalais dans sa globalité. Parce que depuis quelques jours, vous ne pouvez pas imaginer ce que je reçois comme message, comme appel
J'ai dû même éteindre mon téléphone. Je sais que le peuple sénégalais nous porte dans son cœur. Je veux rassurer ce peuple que si on se bat, si on est prêt à donner notre vie, c'est par amour pour ce peuple, particulièrement les jeunes qui méritent mieux que le sort qu'ils vivent actuellement. Je veux dire à ce peuple que notre combat n'est pas un combat pour être élu président de la République. Non. Ce n'est pas un combat pour aller chercher quelque chose en termes d'avantages personnels. Non. Ce combat est un combat fondamentalement patriotique. Parce que nous sommes convaincus que nous avons les moyens de récupérer notre destin national. Nous avons les moyens de nous réapproprier notre souveraineté. Nous avons les moyens de faire beaucoup mieux et beaucoup plus pour chacun et chacune des Sénégalais et des Sénégalaises. Voilà le fondement de notre combat. Et Dieu ne triche jamais. Si le peuple est très attaché à notre personne, c'est parce que le peuple sent que notre combat est très sincère. Je voudrais remercier également la conférence des leaders de Yewi SKANI, qui a été formidable. Certains ont dû suspendre leurs activités à l'étranger, Khalifa Sall, Békissa, pour faire plus de 6 000 km et venir aujourd'hui se mettre à notre côté, même si j'avais insisté pour leur demander de continuer leurs activités. Tous ceux qui étaient là aujourd'hui lors de la conférence de presse, les Aidenbourg, les Maïmouna Bousso, Cheikh Tidiane Youm, Cheikh Tidiane Diaye, Moussa Tine, le doyen Habib Sy, mon frère Dianté, je vous remercie. Le parti vous remercie. Les Sénégalais vous remercient pour cette loyauté dans le compagnonnage. Les gens ne savent pas la nature des relations qui nous lient. C'est pourquoi ils peuvent épiloguer souvent pensant pouvoir créer le hiatus entre nous. Je remercierai également mon frère Barthélémy Diaz qui est revenu depuis 3 jours et qui s'est immédiatement enquéri de la situation et qui, n'eût été mon message, aurait été demain à la première heure chez moi. Je remercie le président Malick Gakou qui a pris des positions également, de même que Monsieur le ministre, le professeur Marie Théounian et le procureur Aline Daou pour leur sollicitude, pour leur solidarité manifestée, même si je ne connais pas encore, je n'ai pas eu encore la chance de connaître le procureur Aline Daou. Je veux dire, en tout cas, pour terminer à tous les Sénégalais, que nous avons une occasion unique avec la mouvance. Ce n'est pas une histoire d'homme, c'est une mouvance. Avec cette mouvance adossée sur un projet très sérieux et une vision très claire de ce que nous voulons faire, nous avons une opportunité unique d'assurer définitivement et pour la première fois notre souveraineté. Nous n'accepterons jamais, jamais que cela soit compromis. Je vous remercie.